Salut à tous, c'est RxPeedCubing, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Vendredi Algo. Alors là on va attaquer les tout derniers cas possibles, donc au COLL et au CLL, au 2x2 et au 3x3. Donc ça va être les cas L. Mais tout d'abord on va commencer par faire des révisions des algorithmes qu'on a pris la semaine prochaine. La semaine dernière par contre, désolé, on n'est pas dans le futur ici. Donc on va commencer avec les CLL qu'on a pris la semaine dernière. Donc le premier qu'on a appris c'était celui-ci, donc c'était des cas U. Que ce soit au 3x3 ou au 2x2. Dans ces cas-là, particulièrement, et donc il y a deux algorithmes de même couleur, deux stickers de même couleur ici et ici, et deux stickers de même couleur ici et ici. Donc dans ce cas-là, on se met comme ça et on fait F, R', F', R, U', R, U', R', U2, R, U', R'. Voilà. Et le deuxième cas, c'est celui-ci. Donc là cette fois on va se mettre comme ça. Donc là en fait on a deux stickers de même couleur ici et ici et deux stickers de même couleur ici et ici. Donc là on va faire F, R, U, R', U2, F', F', R, U', R', F. Donc voilà, c'est deux algorithmes de CLL qu'on a appris la semaine dernière. Maintenant, on va passer aux révisions donc des COLL qu'on a prises la semaine dernière, donc ces deux-là. Donc le premier, c'est celui-ci. Donc là, c'est exactement comme avant les CLL. Donc on a deux stickers de même couleur ici et ici, et deux stickers de même couleur ici et ici. Alors dans ce cas-là, on va se mettre comme ça. On va faire F, R, U', R', U, R, U, R', U', R, U', R', F'. Voilà. Et le deuxième, c'est celui-ci. Donc là, on va encore se mettre comme ça. Donc là, on a deux stickers de même couleur ici et ici, et deux stickers de couleur opposée ici et ici. Donc dans ce cas-là, on va faire R', U2, R, F, U', R', U', R, U, F'. Voilà. Et ensuite, on résout le cube. Voilà. Donc voilà pour les révisions des algorithmes de la semaine dernière. Et maintenant, on va passer donc au tout nouveau algorithme, donc les tout nouveaux cas aussi. Donc ça va être les cas L. Et donc voilà à quoi ça ressemblait. Donc je vais commencer avec le 2x2. Donc en fait c'est quand on a deux stickers même couleur, deux stickers jaunes qui pointent vers le haut, qui sont à l'opposé, et les autres bah voilà ils pointent pas en haut. Donc le premier cas c'est celui-ci, donc là c'est deux plus simples, donc les deux plus simples au 2x2, les CLL. Donc ce premier cas en fait on a deux stickers même couleur, deux stickers de couleur opposée ici et ici. Et ce sticker là qui a rien à voir, qui est bleu, vous voyez, donc rien à voir avec les deux autres couleurs. Voilà. Donc dans ce premier cas, on va se mettre comme ça, avec notre sticker jaune ici qui pointe devant nous, et celui-là qui pointe à droite, comme ça. Et là, et ben, on va faire tout simplement F, R, U', R', U', R, U, R', F'. Voilà, tout simplement, très simple algorithme. Et là, c'est pas beaucoup plus dur, donc ça ressemble pas mal. Donc là on a deux stickers de couleur opposée aussi, ici et ici. Sauf que cette fois ce sticker là est la même couleur que celui-là. Donc dans ce cas-là on va toujours se mettre comme ça, on va faire tout simplement F, R', F', R, U, R, U, R'. Voilà, c'est aussi très facile à faire. Donc c'est les deux cas plus simples, comme je vous disais, des cas L. Vous allez voir qu'il n'y en a aucun qui est vraiment très très dur. Maintenant qu'on a fait aux 2x2 les CLL, les KL, et bah on va aussi faire les KL au 3x3. Vous voyez que c'est exactement pareil, sauf qu'il y a les arêtes en plus, mais voilà. Donc le premier cas c'est celui-ci. Donc là on a deux stickers de même couleur ici et ici. Et là un sticker opposé à ces deux couleurs ici. Donc dans ce cas-là, on va se mettre comme ça plutôt. Avec ce sticker-là qui pointe à droite et celui-là qui pointe derrière. Et dans ce cas-là, on va faire R', U2. R', D', R, U2, R', D, R2. Voilà, c'est simple. Et ce deuxième cas, donc là on a aussi deux stickers de même couleur ici et ici. Sauf que celui-là n'a rien à voir. Cette fois, il est orange, ça n'a rien à voir. Donc cette fois, on va se mettre comme ça. Et on va faire R, U2, R, D, R', U2, R, D', R2. Donc c'est vraiment très très simple. Donc voilà pour les deux algorithmes des COLL de cette semaine. On commence du coup plutôt simple avec les cas L. Donc voilà aussi pour ce vendredi algo tout court. Donc c'était les algorithmes que j'avais à vous montrer. Donc comme d'habitude, n'oubliez pas d'apprendre vos algorithmes pour la semaine prochaine. Et donc si vous avez bien aimé mes vidéos comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un commentaire et de mettre un like. Et sinon, bah faites rien. Allez, salut!